Mon intégration s'est plutôt bien passée parce que je connaissais quelques personnes à Paris et ils étaient venus au centre. Donc du coup, on s'est bien sympathisé et on a bien parlé et tout ça. Après, souvent quand on rentre dans un club, c'est au niveau footballistique que les gens te reconnaissent et te parlent et tout ça. Et au niveau de ça, ça s'est plutôt bien passé. Après, je me suis intégré assez facilement. Le centre de formation du FC Nantes, franchement, je pense que c'est vraiment un des meilleurs centres de la France parce qu'il est grand, il est bien propre et tout ça, il y a beaucoup de choses dedans. Et voilà. Moi, j'y plais en tout cas. Dans quel secteur? Niveau athlétique, parce que là-bas, on travaille beaucoup athlétiquement. D'ailleurs, tout au début, je galérais parce que c'était vraiment très dur, donc niveau athlétique. Et aussi au niveau du placement, etc. Parce qu'avant, j'étais à Saint-Priest, ce qui n'est pas le même niveau. Et voilà. Moi, à la base, je suis quelqu'un de timide, je parle pas trop aux gens et tout ça. Donc au début, c'était, on va dire, je parlais que à une personne. On est vraiment des vrais potes et tout ça. Et au fur et à mesure que j'ai joué, j'ai fait des bonnes prestations et tout ça, je me suis lâché. Et du coup, j'ai pu parler aux autres assez normalement. Et comme mes performances étaient bonnes et tout ça, j'ai pu monter dans la hiérarchie. Et voilà. Moi je regrette pas du tout mon choix parce que là actuellement où je suis assez bien, je me sens bien là-bas et voilà parce que de toute façon la vie nous mène où on doit aller et moi je pense que là où je suis très bien et je ne voudrais pas changer. De toute façon moi je ne regrette rien donc voilà. Mes objectifs c'est essayer de faire quelques entraînements, puis peut-être un match avec les pros, parce que là en ce moment j'ai fait quelques entraînements. En Gambardella, surtout en U19, il faut qu'on y va assez loin, on y aille assez loin, parce que je pense qu'on a une bonne équipe pour faire quelque chose dans cette compétition. Et voilà. Et toujours continuer à jouer ensemble. Avant de partir du centre, on m'a donné un programme spécial pour moi parce que comme j'étais blessé et que là je suis en période de reprise, ils m'ont donné un programme et j'ai dû faire ça à la lettre pour que quand je vais rentrer au centre, je puisse être en forme pour continuer le programme. Pour moi, le programme pour la reprise, c'est je vais reprendre la course, c'est-à-dire que je vais faire des VMA, des courses assez rapide, en grande intensité. Et après, je vais faire du travail d'appui, de la vitesse. Et après, une semaine, deux semaines après, je vais reprendre normalement comme les autres.